J'ai beaucoup de plaisir pour l'opération Pièce Zone à accueillir Mireille Darc et Alain Delon. Mireille et Alain. Bonsoir à vous deux. Voilà. Bonsoir Mireille. Bonsoir à nous deux. Bonsoir Alain. Bonsoir, merci d'être fidèle, Madame Chirac est là pour l'opération Pièce Jaune. Je sais que c'est important pour vous et vous faites une nouvelle fois acte de présence et de générosité. Là, c'est pas pour les pièces jaunes, mais c'est la même chose. C'est Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris. Voilà, tout à fait. Plus de vie pour les vieux à l'hôpital. Exactement, exactement, cher Alain et cher Mireille. Le problème, c'est qu'il y a un animateur qui pose des questions. Et le problème, peut-être, c'est qu'il va falloir y répondre. Mais j'ai entièrement confiance en vous. Vous avez merci raison, beaucoup. Vous avez raison. Merci oui, beaucoup. Oui, 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 oui. L'événement de la rentrée, c'est Alain, au théâtre. Ah non, c'est pas l'événement de la rentrée. Ah si, théâtral. C'est ma fille, c'est pas moi. Oh, oui, mais c'est votre fille, c'est Anouchka. Voilà. Ça se passe bien au Bouffe Parisien dans cette... Ça se passe magnifiquement bien. C'est pas simple de jouer avec sa fille. Peut-être c'est elle la plus inquiète des deux, non? C'est pas... ça varie. C'est bouleversant de jouer avec sa fille. Bon. Quand on a fait la carrière qui est la mienne, jouer avec sa fille de 20 ans, c'est magnifique. Eh bien, on ira vous applaudir en tout J'espère. Cas. Avec Elisa Servier et Christophe de Choisy, cette comédie moderne d'Éric Assouline mise en scène par Jean-Luc Moreau. Absolument. Mireille Alain, regardez la pyramide. Et arrêtez de me regarder comme ça, Mireille. Je peux rien pour vous. La première question vaut 800 euros. Il y a deux paliers, 1548 000, 2 millions d'euros. Les trois jokers, bien entendu, 50-50. Le coup de fil d'un ami et le vote du public. On y va? Ouais. Voici donc Mireille Darc et Alain Delon. Ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question. Au JO, on peut voir des athlètes concourir dans des épreuves de soulever de radis, jeter de concombre, lancer du poids ou sauter de patate. Oui, moi je t'ai déjà vu jeter des concombres, toi. Oui, bon, ça y est, oui. Lancer du poids. C'est de lancer du poids, bien sûr. C'était la question de mise en jambe. Oui. 800 euros, simplement pour conserver. C'est ce qu'on appelle l'échauffement. Question pour le second palier de 1500 euros. Elle a de l'humour, là. Le... Ah, le rédacteur, oui. Ah, ben oui. Selon les astrologues, ah, Mireille. Ah. Les femmes natives du signe du taureau. Oui, c'est moi. Elle est taureau. Qui... Mais exactement. Taureau. Ouais. Ascendant. Balance. Ascendant, balance. Donc, vous, natif du taureau, vous êtes attiré par les toréadors, par les bouchers, par les chiffons rouges, ou par les natifs du cancer? Alors là, mon amour, ça peut te répondre. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je dis les natifs du cancer. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, non? Non, pas du tout. Vous n'avez jamais été attiré par un... Non, par les scorpions, en principe. Ah oui? Eh oui. Alors, vous dites du cancer. Eh oui. Ah ben, premier palier atteint, 1500 euros. Bravo à tous les deux. Ça démarre très fort, Alain. Troisième question pour 3000 euros. La voici. Qui sera à l'affiche du prochain film de Woody Allen, entre autres? Elisabeth II. Michelle Obama. Angela Merkel, Carla Bruni. La première dame de France. C'est votre dernier mot? Oui. C'est notre dernier mot. Midnight in Paris a été tourné l'été dernier à Paris avec Carla Bruni. Sarkozy, bonne réponse. Question 4 à 6 000 euros. Quel journaliste déclare, je cite, « La France a peur » lors du journal télévisé du 18 février 1976 ? Ne me regarde pas comme ça. Roger Giquel. Yves Mourouzi. Bruno Mazur. Léon Zitrone. On est en 76. Il vient de se passer un événement dramatique en France. En 1976, qui présente le 20h sur TF1 et qui ouvre par cette phrase « Bonsoir, la France a peur ». Mourouzi, c'était à midi.
Non. Moses, c'était à midi. C'était suite à un meurtre d'enfant, non? Exactement, Alain. Oui, je vois très bien. Je crois que c'était... Oui, je me souviens très bien. C'est pas Zitrone, c'est pas Mazure. Ah, pourquoi pas Mazure? Là, ça nous aide, parce que si Mireille vient de dire que Mouzi était à 13h... À midi. Donc ça serait Jiquel. Moi, je pense que c'est un mot qui peut venir de lui, ça. C'est bien son ton. Allez, on y va? Jiquel, vas-y. Roger Jiquel. C'est votre dernier mot? Oui. C'est notre dernier mot, Jean. C'est l'affaire Patrick Henry. Voilà, c'est Patrick ça, Henry, le petit mot, voilà, c'est ouais. Ça. On se souvient très bien. L'enlèvement et la mort d'un enfant. Ah oui, et c'est vrai que toute la France était bouleversée. Et en ouverture de journal, le présentateur dit « La France a peur ». Il s'agit de Roger Jiquel. Bon appétit. Le coupable à l'époque est en liberté. Il est sorti il n'y a pas longtemps, vous savez ça. Mais je crois qu'il est re-rentré. Il est re-rentré, voilà. Il est sorti, il est re-rentré pour sorti et re-rentré pour drogue. Exactement. Oui. 6 000 euros. La question que voici est la cinquième, elle vaut 12 000 euros, Mireille Alain. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de foot en 2010? Ne me regarde pas. Mais je pense que tu le sais. Bon. Je regarde si tu le sais. Les Pays-Bas. L'Espagne. Ah, ça y est. L'Allemagne. Il n'y a pas la France, hein. L'Uruguay. Je dis ça comme ça. Alors, Afrique du Sud, qui remporte la Coupe du Monde? Je crois que c'est l'Espagne, tant que je m'en souvienne. Tu te souviens pas? Tu te marres, toi? Non, mais je ne regarde plus. Folle de football. Si, j'adore. Oui. Mais j'adore, mais c'est vrai que là, j'étais plus trop. Mais je pense que non, tu je as. Je crois que c'est l'Espagne. Je oui. pense que c'est l'Espagne. On y va. C'est votre. Oui. L'Espagne. Je me souviens très bien. Elle était fabuleuse. Tout le parcours, l'Espagne était extraordinaire. C'est plus dernier mot. Oui. C'est un match contre les Pays-Bas. Oui, c'est l'Espagne. Et c'est l'Espagne. Bonne réponse. 1-0. L'Espagne, il faut le rappeler, qui au premier tour a été battue par la Suisse. Exact, exact. Et nous, qu'est-ce que ça a donné? Je ne sais plus très bien. L'Allemagne et l'Uruguay étaient demi-finalistes. Et voilà. Écoutez, il vous reste toujours vos trois jokers. Vous en êtes à 12 000 euros. Découvrons la question qui vaut le double, 24 000 euros. Ah, quel officier fut surnommé le renard du désert? Oh, vous savez. Maréchal Rommel. Général Patton. Général Leclerc. Maréchal Juin. L'un des quatre a été surnommé le renard du désert. Je pense, moi, personnellement, Maréchal Rommel. Parce que le renard du désert, autant que je m'en souvienne, est un Allemand. Moi aussi, je pense que c'est lui. Donc ça ne peut être que pas Patton, pas Juin, Leclerc Rommel. Je pense que c'était un Allemand, autant que je m'en souvienne. Et si c'est un Allemand, c'est Rommel. Mireille, vous confirmez? Je confirme. Oui, je confirme. Comment tu confirmes? Non, mais je suis... Vous marrez, c'est super important. T'es pas né. Mais ça fait rien. Non, mais attends, j'ai... Non, je suis d'accord. Non, mais lui et moi, on était là. Mais oui, mais... Moi, tu oui, vois... Bon, ouais. Non, mais il se croit toujours Miss France, lui. Il est comme ses parents. Ah, je vous dis pas lequel des deux était le plus observateur, si je dirais. Oui. Question d'âge. Oui. C'est votre dernier mot? Ah, c'est mon dernier mot. Rommel. Rommel. Un surnom qui lui a été donné en Libye. Voilà.
à la tête de l'Africa Corps. Et c'est donc le maréchal Rommel. Bonne réponse. Bravo, bien joué. Parcours sans faute. Pour l'instant, il vous reste toujours vos trois jokers. Nous découvrons la fameuse question du second palier à 48 000 euros. La voici. 16 novembre 2010. Prix record de 223 967 euros pour la vente aux enchères d'une seule bouteille de Cheval Blanc, Château Cheval Blanc, de Château Latour, de Château Margaux ou de Château Aubryon. Quatre crus du Bordelais. Réfléchissez bien. Un prix record de 223 000, enfin une fortune. Chez Sotheby. Je crois que c'était chez Sotheby, en effet. Ouais. Et encore, on n'est pas certain de la qualité du breuvage. Il faut d'abord l'ouvrir. Ça, c'est la surprise. Après avoir fait un chèque de 223 000. On ne va pas perdre de temps parce que Cheval Blanc, Margaux, Latour, Aubryon... C'est tous... Oui. Tout de suite, il faut faire les 50-50. D'accord. Hein. Retirer deux, les deux mauvais parce que moi, j'ai une idée. On enlève deux 50 centilitres, s'il vous plaît. Voilà. Je pense que c'est Cheval Blanc. Il reste Cheval Blanc et Margaux, donc... Je pense que c'est, autant que je m'en souvienne, c'était Cheval Blanc. De toute façon, t'as rien à dire, alors. Ah non, non, mais je la ferme, hein. Non, non, mais je sais là, je... Vous avez remarqué la parfaite entente entre les deux. Ah oui, mais... Je dirais même la complémentarité. Oui, oui, mais il y a beaucoup de confiance entre nous. Hein. Ah non, mais évidemment. Mais j'ai fait ma carrière grâce à elle par complémentarité. Tout à fait. Cheval Blanc, c'est votre dernier mot. C'est notre dernier je mot. Je suis... Ah ben attends, oh. Mais pourquoi? Elle l'a dit. Non, mais elle dit mon mot, elle dit pas le tien. Non, mais elle l'a dit. Alors, Cheval Blanc... C'est un cru d'une excellente année, 1947, qui est une très bonne année pour les vins et pour les hommes. Et je crois que j'en ai une. Bon. Le prix record, c'est le prix d'un château Cheval Blanc. 48 000 euros, bravo. C'est un peu cher quand même. Format impérial, alors je sais pas. Oui, non, mais c'est pas une bouteille, c'est un magnum, c'est ça, ou un machin, ça. Un truc. Jéroboam. Tout à fait. Non, mais 223 000 euros, excusez-moi, non, c'est pas. Et attendez, attendez. Et quand on l'ouvre, on n'est pas certain que. Non, non, mais moi, pour ce prix-là, je sors, hein, on m'ouvre. Hein. Ah non, non, c'est, vous rendez compte, Château Cheval Blanc, 223 000 euros. Question. Oui. Question, si on n'est pas sûr, on peut rester à 48 000. Exactement. Quoi qu'il arrive maintenant, les 48 000 sont pour vous. Ouf, on ne redescend pas à 24. Non, fini. D'accord. Nous marquons une petite pause, le temps pour vous de respirer, de vous préparer à répondre à d'autres questions. Ils sont très très détendus, il faut dire que ça se passe bien. Ça ne peut pas se passer mieux, Mireille Darc et Alain Delon. Mais attention, cette question a son importance. La voici. Molière a écrit « Il faut manger pour vivre » et non pas « Vivre pour manger », mais dans « Le Tartuffe »,« Don Juan »,« L'Avare », »,« Le Misanthrope ». Moi, je ne sais pas. Moi non plus. Ça, c'est une question pour... comment il s'appelle ? Non, non, l'autre, là, l'acteur, là. Il vous reste deux jokers. Ah oui, mais là... Dans vos relations au téléphone, quelqu'un peut vous le dire ? Ou alors on commence par le public, comme vous voulez. Non. Quoi ? Mais attends, si on prend un joker, on n'a pas le droit avant de faire 50-50, non ? Ah, c'est fini, vous l'avez utilisé. On l'a déjà fait. Deux fois. Non, une fois. Ah, c'est tout ? Oui. C'est tout. Vous êtes gonflé, là. Il vous reste l'avis du public et le coup de fil à un ami.
Non, non, là, c'est ou Carrière ou... Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière. Bah, Jean-Claude Carrière, si c'est pas ça. Ouais. Bah, si c'est pas ça, faut qu'il fasse autre chose. on appelle qui pensait pose... à l'acteur, là, tu sais. Oui, mais il n'est pas là. Comment il s'appelle? Oui. Qui joue du Molière. Oui, oui. Bon. Non, avec qui j'ai joué les variations. Francis, oui. Question pour Francis Huster, ça. Ah, Huster aussi, oui. Bah oui. Alors, on appelle qui? Charrière. Carrière. Carrière, pardon. Oui, oui. Pardon, Carrière. Qui? Charrière, c'est... qui pose la question, Mireille ou Alain? Toi ou moi? Ah, bah moi, tu poses lui à Jean-Claude. Alors, attention. Très... On appelle Jean-Claude Carrière, qui, sans aucune difficulté, je l'espère... Le Tartuffe, Don Juan, les mises en... À la question. Oh là là là. Faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ça ressemble à l'avare, mais bon... Allô. Jean-Claude Carrière, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone, bonsoir. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Bien, je vous remercie, je suis avec Mireille Darc et Alain Delon. Oui. Et nous avons une question très très importante qui vaut 72 000 euros. Diable. Comme vous dites. Oui, et oui. Fais attention à ce que tu vas dire. oui, je t'attends. Oui. Attention, Jean-Claude, voici la question. Molière a écrit « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger » dans... Le Tartuffe, Don Juan, l'avare, le misanthrope. Prends ton temps. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Tartuffe, Don Juan, l'avare, misanthrope, 10 secondes, vite. Je dirais l'avare. Est-ce que vous êtes sûr? Non, mais je sais ce que je dirais. Oui. J'avais dit l'avare aussi, hein. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Merci, Jean-Claude. Merci, Jean-Claude. Mais, non, mais attends de dire merci, qui s'est pas bourré. Ça fait rien, ça fait rien. Certaines tensions, vous l'avez remarqué, entre... Non, non, mais c'est pour Mme Chirac, c'est pas pour nous. Non, mais bien entendu. Alors, est-ce qu'on suit... il dit qu'il n'est pas sûr, mais il dit... Là, on a le droit de dire autre chose? Ah non, mais vous pouvez... Non. Ah, ben, vous dites ce que vous voulez. Oui. Moi, j'avais dit l'avare, mais... Bon. Ah mais oui, on dit ce qu'on vous veut. Confirme. Oui. De toute façon, il n'y a pas de risque. Oui, ben, si c'est pas ça, vous restez avec vos 48 000 euros. Oui, oui. Alors l'avare, l'avare. C'est votre dernier mot? Parce que ça ressemble, manger pour vivre et pas vivre pour manger, ça ressemble à l'avare, plus qu'à Don Juan ou le misanthrope. L'avare. Donc c'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Molière a écrit « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger ». C'est une réplique de Valère, l'amoureux d'Élise, la fille d'Harpagon dans l'avare. Merci. Bravo Alain, bravo Jean-Claude, bravo tout le monde. Merci Jean-Claude. Vous avez 72 ans. Oui, on a le droit de rester là. Hein. Ah, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question qui suit. Sachez qu'il vous reste le joker du public. Donc, quoi qu'il arrive, vous l'utiliserez. Pour... Ah oui, ou pas. Bon. Oui. Oui, si, on le fera. Oui, mais 72, sûr. Oui. Attendez, sûr. Si. Sûr, on va voir. Voici la question qui vaut 100 000 euros. Lequel de ces dieux n'est pas le frère des trois autres? Hermès, Zeus, Hadès, Poséidon. Bon, on dit rien, hein? On va demander au public. Attends. Non. Commencez par demander au public, seuls ceux qui savent. Ils savent pas. Mais si, ils savent. Je suis sûr qu'ils savent. Mais vous ne répondez pas si vous savez pas. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit sûre et que les autres ne votent pas, ça fait... Lequel de ces dieux... n'est pas le frère des trois autres. Je ne savais même pas qu'il y en avait trois, moi. Hadès, qui c'est Hadès? Tu connais Hadès, toi? Bien entendu. Ben, évidemment. Non, mais il ne faut pas... Il faut demander au public. Allons-y. Et pas donner de... Alors, de point de vue. À vos télécommandes publiques, uniquement si vous savez. On ne joue pas... Au hasard, il y a quand même 100 000 euros à la clé pour les pièces jaunes, Fondation de Paris, Hôpital de France. Attention. La réponse est où, là? Lequel de ces dieux n'est pas le frère des trois autres? A, Hermès, B, Zeus, C, Hadès, D, Poséidon. Votez maintenant. Bonne chance. Je pense que c'est Zeus. Oui, parce que c'est un dieu, oui. Allez, on oublie. 32% Hermès, 32% Zeus.
11% à Dès, c'est trop. Le risque, à mon avis, le risque est trop grand. Oui. S'arrête. Sauf si vous. Non, mais si on dit quelque chose. Tu redescends à 48. On redescend à 48. Ah oui, il faut s'arrêter. Non, non, on s'arrête, on s'arrête. On n'a plus d'autres jokers et plus rien ? Non. Comment ? Je crois qu'on avait deux jokers. On les a utilisés. On en avait trois. Non. Bon, moi je le dis comme ça, tant pis pour les 100 000. Moi je pense que c'est Zeus. C'est Zeus. Attendez. Parce que c'est le seul dieu vraiment. Non, c'est pas tant pis pour les 100 000. C'est si ça n'est pas ça. Ah ben non. De 72 000, vous repassez à 48 000. Non, non, mais on s'arrête. On s'arrête. Mais on dit quand même pour, la, pour quand le panache. Non, mais commençons par le commencement. Voilà. D'abord, vous vous arrêtez ou pas ? On s'arrête. On s'arrête. C'est votre dernier mot. On s'arrête. Alors, je vous dis bravo. Et Madame Chirac est ravie puisque cela représente 72 000 euros grâce à vous. Ben félicitations, oui, 72 000 euros. Oui. Maintenant, lequel de ces dieux n'est pas le frère des trois autres ? Zeus. Vous voulez dire Zeus ? Eh bien... C'est Hermès. Donc vous avez bien ça fait. Ça va. Vous avez bien fait. Vous avez été remarquable. Merci Alain, merci Mireille.